Bonjour, bienvenue à ce tutoriel fonctionnel numéro 46. On va voir comment utiliser Nix pour installer Chromium sur Ubuntu. Alors, Ubuntu, sur les dernières versions, utilise beaucoup les paquets Snap. Et a priori, ça n'a pas que des avantages. Donc, on va voir comment on peut utiliser Nix pour installer des logiciels et également sans forcément prendre ceux de Snap. Donc, là, j'ai une version de Xubuntu dans une machine virtuelle. Et si je regarde dans les logiciels, Chromium. A priori, il existe. Voilà. Et si on regarde d'où ça vient, on voit que c'est les paquets fournis par Snap. Donc il va y avoir tout le runtime Snap à installer, etc. Et bon, voilà. A priori, alors, je ne connais pas trop, hein, mais a priori, il y a des gens qui s'en plaignent. Et donc certains même préfèrent installer les paquets Debian plutôt que de prendre les paquets Snap. Et donc on va voir Nix que ça nous offre une autre solution aussi. Utilisable. Donc Nix c'est un gestionnaire de paquets qui permet de faire vraiment plein de choses, mais il y a une Logitech qui est fournie avec et bah, on peut juste installer des logiciels supplémentaires avec. Donc on va avoir besoin déjà d'installer quelques dépendances. On va installer Git et Curl. Ok. Et en gros l'installation de Nix, donc d'abord il va falloir installer Nix, qui va me donner accès à toute la Logitech, et après on pourra installer Chromium. Et comme c'est un logiciel graphique qui utilise le driver OpenGL, il y a une petite configuration supplémentaire à faire, donc je vais vous montrer ça. Et puis bah, on regardera ce que ça donne. Donc là d'abord j'installe de quoi récupérer le script. Alors c'est tout écrit. Où c'est que c'est? Ici. C'est tout décrit sur la page de Nix. Hein. A priori, il y a juste un script à lancer. Et donc sur le site de NixOS, qu'est-ce que c'est? Voilà, installer Nix. Donc en gros, il y a un script, puis alors, soit on le met directement dans le shell, ce qui est pas très beau. Il y a une méthode plus propre pour faire ça, pour vérifier les clés GPG, etc. Mais là, on va le faire directement. Il y a également un mode, donc le mode démon, c'est le mode multi-utilisateur, où en gros, il y a un service avec des utilisateurs qui vont être créés pour gérer tout l'écosystème Nix. Sinon, on peut faire une installation single user, donc en local, que n'importe qui peut faire en fait. Donc localement, si on est un utilisateur qui n'a pas de son droit particulier, on peut juste l'installer comme un programme utilisateur et après avoir accès à Nix via cette méthode-là. Mais là, comme j'ai les droits d'administrateur sur cette machine virtuelle, bah, je vais l'installer avec le mode démon, ce sera plus simple. Donc là, il propose de décrire un peu ce qu'il va faire. J'ai pas besoin de plus d'informations. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser sudo? Oui. Est-ce qu'il faut continuer? Oui. Donc là, ce qu'il va faire, c'est créer différents utilisateurs pour pouvoir faire les commandes de construction des différents paquets, des différents environnements logiciels. Bon, c'est pas super intéressant, il y a juste à laisser créer les utilisateurs et puis après, bah, ça fonctionnera normalement. Il a fini de créer ses utilisateurs. Il a également récupéré la Logitech, donc un canal, je sais plus où c'est marqué. Bref, il a récupéré donc la Logitech via ce canal-là, et ensuite il dit que bah, on peut créer on peut utiliser Nix avec les commandes Nix habituelles. Donc, si je veux utiliser Chromium maintenant, bah, j'ai juste à faire. Alors, je peux chercher déjà. Est-ce que Chromium il existe? J'espère que oui, quand même. Oui, donc d'abord il faut se déconnecter, se reconnecter pour qu'il prenne en compte les modifications. Donc, je vais faire ça. Donc, je me reconnecte. Je vais lancer mon terminal. Voilà. Donc maintenant, si je fais un Nix search Chromium. Et il va regarder dans la Logitech de Nix, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond? Et il va m'afficher tout ce qui correspond. Alors peut-être que la première fois c'est peut-être un peu long. Non, pas trop. Ok, donc on voit qu'il y a les versions qui existent, notamment ça. Donc pour installer, c'est Nix-env.
moins i majuscule et puis xpkgs.chromium. Donc là, ce qu'il va faire, c'est vérifier que le pack existe, récupérer toutes les dépendances. Donc au départ, ça va être peut-être un peu important parce que Chromium, déjà, c'est pas un petit logiciel et puis voilà, il y a pas mal de dépendances. Il télécharge tout ça, il installe et puis après, ça devrait être disponible. Ok, donc ça a pris 2 minutes le temps de télécharger, d'installer et a priori, alors est-ce que ça va marcher? Ouais, donc je peux lancer Chromium. Donc ça a l'air de fonctionner. Cependant, on peut tester quand même. Voilà, bon, a priori, ça affiche les trucs. Par contre, Chromium il est capable d'utiliser les drivers OpenGL pour accélérer un peu ces pages. Et si je regarde, donc c'est Chrome 2.gpu. Si je regarde les informations, en fait il est en mode dégradé où il fait tout en logiciel parce qu'il n'a pas trouvé d'accélération matérielle ou d'accélération OpenGL du moins. Et donc ça c'est un problème avec Nix. Quand on installe Nix sur une distribution Linux classique, ça marche bien en mode texte, mais dès qu'on a besoin d'accéder au driver graphique, il ne sait pas forcément comment faire. Donc pour ça, ah bah, j'aurais pas dû fermer le navigateur, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc pour ça, il y a un petit outil qui permet de préciser où trouver le driver graphique qui s'appelle NixGL. Donc on va l'installer. C'est tout écrit sur la page. On git clone, on installe et puis voilà. Donc je clone le dépôt. Ensuite, je vais dedans. La commande pour installer. Donc là, ça dépend de la carte graphique. Il y a une version par défaut qui est capable de détecter des choses. Alors je connais pas trop les outils, hein, mais a priori sur la machine virtuelle, ça doit fonctionner sans trop de problèmes. Donc là, il n'a pas trouvé Nvidia, donc il va installer la version celle du Mesa, je pense. Ok, donc il a fini de télécharger, d'installer. Ça a pris 2 minutes aussi. Et alors, je pense que je sais peut-être pas si ça marche comme ça. Donc voilà, pour lancer le logiciel en lui spécifiant de chercher et de trouver les drivers graphiques, il faut préfixer par NixGL. Donc NixGL espace Chromium, et a priori. De relancer Chromium avec l'accélération OpenGL qui fonctionne. Alors d'ailleurs, je vois qu'il a marqué des messages. Je sais pas s'il faut pas rebooter des trucs. Bon, on va vérifier. Chrome GPU. Voilà. Et donc cette fois, on voit que il a trouvé la bibliothèque OpenGL. Alors là, comme c'est dans une machine virtuelle, je pense qu'il y a des choses que des accélérations qui supportent pas non plus. Mais au moins, il a trouvé le driver OpenGL fourni par le système hôte. Donc, bien que le logiciel soit fourni par Nix, il est quand même capable d'utiliser l'accélération matérielle du système Ubuntu derrière. Ok. Donc voilà. Je regarde si j'ai pas oublié le truc. Donc au final. On peut installer Nix et utiliser la Logitech NixPKGS sur un système Ubuntu classique. C'est pas très très compliqué. Il faut juste lancer le script d'installation de Nix, ensuite installer ce qu'on veut via NixPKGS. Et si c'est un logiciel graphique, il va falloir éventuellement installer NixGL et ensuite lancer les applications avec NixGL. Bon, c'est pas super compliqué non plus. Au niveau de l'intégration, c'est moins bien fait que le système Ubuntu de base, hein, puisqu'il n'y a pas a priori, il va pas apparaître ici, je pense. Chromium, voilà, il est pas dedans parce que Nix n'est pas reconnu par l'interface graphique directement. Il va falloir éventuellement le faire à la main. Et puis, il faut pas oublier de mettre le NixGL pour lancer l'application graphique. Au niveau des performances, j'ai pas trop testé, j'ai testé rapidement sur une autre machine virtuelle et priori, il y a quelques dizaines de mégaoctets et ça pourrait à peu près pareil. Nix utilise un petit peu moins de RAM, mais j'ai pas pu tester plus que ça. Donc voilà pour la procédure. C'est tout pour aujourd'hui.